Hey, salut tout le monde, c'est Warren, ta gueule, merci. Donc je disais, salut tout le monde, c'est Diablo, et on se retrouve sur Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, pardon, pour l'épisode numéro 2, voilà. L'épisode numéro 2 qui en fait, normalement, devrait être l'épisode numéro 3, parce que l'épisode numéro 2, j'ai un petit souci, c'est au moment d'enregistrer la capture, je sais pas comment ça s'est déroulé, mais... ça n'a pas enregistré quoi, ça, le fichier VLC, il y a eu un petit souci. Du coup, j'ai fait 3-4 granges que malheureusement vous ne verrez pas. Mais bon, je vous montrerai quand même les véhicules à la fin. Donc c'est pas trop grave. Hein. De toute façon, au pire, je vous montre là les trésors de grange où ils sont situés. Si jamais vous voulez chercher vous aussi dans votre jeu. Donc voilà, j'ai fait celle-ci et celle-là. En sachant que j'ai galéré pour celle-là, j'ai dû utiliser le drone. Celle-ci, ça a été simple vu que c'était sur un chemin. Celle-là aussi, j'ai utilisé le drone parce que c'était vraiment pas évident. Et celle-là, j'ai trouvé aussi tout seul. Vraiment, en tournant un peu, j'ai trouvé. Donc on est parti, allez on va descendre vers Yara Valley. Ouais, même si c'est un peu loin. Donc pareil, je mets un petit point sur les chemins que j'ai pas encore découvert. Et aujourd'hui on est en Lancer Evo 6 que j'ai un peu traficoté. D'ailleurs ça s'entend et ça se sent. C'est pas comme une tâche, là c'est un peu plus péchu, c'est pas pour me déplaire. Là, j'attaque sec les virages. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un défi collector avec la lanceur. Si vous voulez, je vous l'enverrai par message. Et pour ça, il faut être ami avec moi. Quoique, je sais pas si les défis collector, on peut aussi les partager en public. Ah, encore gagné un niveau. Ah, ça serait bien que je gagne la petite Merco là. Non. 15 000, 30 000. C'est toujours ça de prix. Désolé. On va couper le rond-point. Hop. Sur les arbres. Ça c'est une caisse mais épique. Je l'ai fait couleur noire comme dans Taxi. Je crois même que c'est le même kit. J'ai pratiquement mis le même kit que dans Taxi. C'est une petite bombe ça. Tournez à droite. Je préfère ça aux voitures de sport, genre les Pagani, etc. Ça envoie plus. Déportez-vous sur la gauche. Ça envoie du lourd. C'est bien péchu. Tout ce que j'aime. Vous avez atteint votre destination. Hop. Donc on va couper un peu les barrières. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit panneau? Des fois pour la grange, après on verra. Hop. Alors, j'ai commencé par découvrir les chemins de terre. J'ai l'impression que la grange elle est là. Hop hop hop, petit travers. Non, elle est pas là la grange. Non, elle est simple la maison, j'aime bien. Je crois qu'elle est un peu. Ouais, un petit souci d'ombre là, j'ai l'impression. Hein. Enfin bref. Ouais. Tout au frein à main. Allez, la poubelle. On l'envoie à valser, on s'en fout. Donc là, il y a des plantations de. Je sais pas ce que c'est comme plantation, ça. C'est des bananes, non?
palmiers. Pourquoi je dis des bananes? Palmiers. C'est des palmiers, ça. Hop. Voilà, je débloque les chemins en même temps. Hop. Alors, on va aussi chercher un peu la grange quand même. C'est pas ça. Un beau petit paysage quand même aussi. Faut pas oublier. Alors, pour ce qui est de la configuration graphique, ça je l'ai pas dit aussi. Je suis pas en ultra partout. Et je suis pas en HDMI non plus. Tout simplement parce que l'écran actuel n'a pas de port HDMI, mais ça ne saurait tarder. Et attention de récupérer l'écran de mon frère qui lui va s'en acheter un nouveau. Donc, j'aurai du HDMI dans peu de temps et je pense que ça va changer pas mal de choses. Déjà pour mon confort de jeu, puis aussi pour vous je pense, parce que je sais pas si le fait que je capture en dévi ça renvoie la vidéo en dévi aussi. Mon pote, cette Holden FX Ute tourne comme une horloge. Ah. Ça c'est le véhicule que j'ai débloqué, un pick-up, un vieux pick-up Holden. Je débloque aussi la Reliant et la Ferrari 166. Alors, bon, c'est bien parce que là je bloque les routes, mais il faut aussi que je trouve la grange. Est-ce que le panneau aussi? Hop, il est pas mieux là. Est-ce que je vais rentrer dedans? Pas sûr, hein. Cassé. Alors, bon, maintenant que j'ai découvert pratiquement toutes les routes du coin, ouais, moi je rajuste ça. Puis je mets un petit point, hop. Même si un avant me saoulait un peu. Alors, déjà, juste en regardant la map, on peut distinguer 2-3 petits bâtiments, notamment ici. Là, mais ces bâtiments là j'ai déjà découvert avec la route, donc déjà c'est pas au niveau de la route. Après là il y a un petit truc ici, je regarde un petit peu au niveau du GPS, pareil là ça peut être intéressant d'aller fouiller ici. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va s'aventurer dans les, dès que possible, à 400 mètres, arbres. Tournez à gauche. Hop. Nouveau calcul de l'itinéraire. Après dans les champs, je pense pas. Je pense pas qu'elle soit dans les champs. La grange. À 400 mètres, tournez à gauche. Non, j'allais dire que c'est pas ce bâtiment là, mais non. Hop. À 100 mètres, tournez à droite. Bon. Où est-ce qu'il y a des... Pas là non plus, je suis déjà allé là. Ça se voit, jusqu'à ces quelques panneaux. Quelques barrières. On va descendre par là. Hop. Un pilier électrique. Un pylône plutôt. On a la route. Il y a toujours le champ. On va longer le champ, hein, si ça se trouve. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 200 mètres, tournez à droite. Hop là. Molo, molo. Calmos. C'est déjà un peu dégueulasse. Bon. À 200 mètres, tournez à droite. Toujours comme ça, hein. Première branche que je cherche.
un peu galère à trouver. Après en même temps je vais assez vite, donc j'ai pas le temps de bien voir où je vais. Non plus. Je suis déjà allé par là je crois. Après j'ai pas fouillé spécialement dans les arbres, donc ouais, là je sors de la zone. C'est pas là. Hop, hop, c'est chaud. Pilotage. À 400 mètres, tournez à gauche. Ouch. Bon, à force de fouiller, on va trouver, hein. Ah bah, elle est là. Nickel. Hop. Bah pareil, j'ai toujours ce petit freeze là en arrivant dans le. À toi l'honneur. La cinématique, je sais pas pourquoi c'est. Ah. 4x4 Lamborghini. Crois-moi si tu veux, mais c'est une Lamborghini. LM. La LM002 était un véhicule de luxe destiné au tout-terrain. 002. Celle-ci a littéralement mordu la poussière. La suspension est morte. Je pense que ça peut être un chouette 4x4 ça aussi. Voilà, hop, bon, c'est nickel. Allez, on va se diriger maintenant au niveau du désert. Enfin du désert, des épaves. Et avant ça, hop, je vais mettre un point là où je l'avais mis. Pour découvrir la dernière route ici. Tant qu'à faire. À 400 mètres, tournez à gauche. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Désolé pour le petit bruit. Tournez à gauche. J'essaie de faire le moteur. À 100 mètres, tournez à gauche. Ça envoie du lourd, ça. Hein. À 400 mètres, tournez à droite. Allez, petite vue intérieure. Par contre, c'est un peu sombre vu que j'ai mis les teintes noires. À droite. Vous s'y croyez pas un peu là, dans le rallye. Bon, c'est pas aussi simulation, mais ça envoie quand même. Un petit colimacré. Colimacré 2. Vous avez atteint votre destination. Paf. Hop, allez, on va se diriger vers là. Alors on fera celle-ci, celle-ci et celle-ci et on s'arrêtera là. Le rassemblement vous attend. Non. Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller ? Alors non, tu commences à me saouler. Donc, comme la vidéo précédente, enfin, que j'avais tourné qui a bugué, commence à entrer dans la partie un peu difficile vu qu'on va être de nuit. Ça commence à se coucher. Ça va être un peu plus compliqué de trouver la grange de nuit. Hop. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Alors, en sachant qu'il y a du sable, ça va être un peu. Je sais pas si ça sera un peu plus simple de trouver cette grange. Parce que moi. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle est plutôt vers le flanc de la montagne, plutôt qu'au niveau du sable. Parce que sinon ça serait trop simple, quoi, que ce soit planté en plein milieu du fleuve. Voilà, on entre dans le territoire. Hop. Moi j'ai envie de dire, vous avez atteint un petit peu. Votre destination. Ouais, je crois pas en fait. Je crois pas que ce soit là. Parce qu'à mon avis, il y aurait eu quand même un petit chemin pour montrer. Quoique. Je sais pas. Hein. Je sais pas trop. Bon, on va tenter. Hein. Voilà, mur. Hop.
va pouvoir montrer. Ouais, c'est emmuré en fait. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse escalader ça. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc finalement, en fait, il y a des endroits où on peut pas rouler aussi. Comme dans... Black screen. Tant que la voiture apparaisse. Donc ouais, c'est comme dans The Crew, il y a des endroits où on peut pas rouler. Les cailloux, etc. Donc je pense pas qu'on puisse monter. Si j'essaie. Non. Le mur qui m'empêche. Non, je peux pas monter. Après, peut-être que j'ai des bêtises que de l'autre côté il y a une route, donc je sais pas. Bon, on va s'en bien tirer du coup dans... Dans ce endroit là, hop. On va voir si on peut pas trouver la... On va trouver cette petite grange. Ah bah tiens. Les oeils de lynx viennent de trouver quelque chose. Trois devant. Hop. Et ça, c'est une bonne vision ou pas? Par contre, ça freeze, hein. Ça rame. Ça plante même. J'ai même peur que c'est planté. Non, c'est bon. Il me fait peur le jeu un peu, hein. Alors Warren, c'est quoi? Ah, le buggy. Ça fait un peu penser à la Befta de GTA 5. C'est un meilleur Smanx. J'aurais aimé d'en avoir un quand j'étais gamin. Je crois qu'il y a possibilité de faire des wheeling avec, si on pousse assez. Réaliser que ce serait compliqué pour aller sur la plage. On peut faire des gros cabots avec. Ça peut être marrant. Ça peut être malin. Bon voilà, déjà. Déjà deux trésors de grange, on va aller ici. Donc pareil, je vais mettre un point là. Ouais. Il me fait carrément. Attends. Ah ouais, maintenant il y a un chemin, ok. J'ai cru qu'il allait carrément me faire couper. Non, attends, on va mettre un point là, comme ça. Je vais prendre. Je vais rouler ici, hop. Je vais le ramener au garage. Tu pourras virevolter entre les dunes, on n'a rien dedans. Faites demi-tour dès que possible. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en route? On peut couper. À 200 mètres, prenez le virage serré à gauche. Ouais, on peut couper, mais bon, j'ai aussi la rambarde de sécurité. Hop. Ah, je pensais à des spéciales de rallye, ça. Mon multiplicateur pour les prouesses. D'ailleurs, les points de prouesses, je vais en avoir pas mal. Vous avez atteint votre destination. Hop.
aussi, au niveau des aides de pilotage, j'ai quand même l'ABS activé et la direction en normal, pas en simulation. Sinon tout le reste est désactivé. Donc, tout ce qui est stabilité, contrôle de traction. Je suis en automatique aussi. Parce que le manuel, j'ai pas trop envie de me compliquer la vie. Déjà pas mal en termes de difficulté des drive à tâche, je crois que je suis à habile ou très doué, je sais plus. Voilà, j'ai découvert les routes, maintenant on va pouvoir se focaliser sur la grange. Déjà j'ai un panneau d'XP là-bas. Oh, il est là, en plus c'est un 20 000. Nickel. Voilà, gagner un niveau. Oula, c'est un peu buggé. J'ai l'impression que le jeu commence à souffrir là. Il va falloir que je le relance. Ouais, 30 000 de crédit. Je commence à fatiguer. Alors, où est-ce qu'elle peut être cette petite grange? Là, je suis en train de couper à travers champ. Et je pense que c'est la bonne idée que j'ai eue. Ou est-ce que comme l'autre, je l'ai trouvé de super loin? J'en doute. Donc là, déjà, je peux pas aller là. Escalader ça et j'en aurai une meilleure vue, meilleur point de vue. Là, je suis à la verticale, je sais pas pourquoi mais je sens qu'elle est en haut de la colline. Non, oui, oui, non. Que dois-je faire? Tu fais rien du tout, Anna. Là, j'avance à tatillon. À tâton, plutôt. J'essaie de trouver cette grange. Voilà. Je vais remonter un peu. Quoique. Mon détecteur de grange me dit que c'est pas loin. Non, après on quitte la zone là. On va remonter. On va remonter. Hop. Est-ce qu'elle serait pas dans le coin? Après, il y a pas mal d'arbres hein, quand même. Hein. Ça fait 10 minutes. En sachant que j'ai coupé la vidéo en deux, parce que j'ai eu un petit souci de capture. Encore. Ça va faire une demi-heure. Est-ce qu'elle serait pas là, la petite grange sur cette dernière zone que j'ai pas explorée? Et après j'utilise le drone là, si je trouve pas. Ouais, c'est pas facile là, c'est pas simple. Les seuls bâtiments qu'on a, c'est ceux-là. Là où j'ai explosé le panneau d'XP. C'est les seuls de la zone. Après, pour ce qui est de la... Pour ce qui est de la grange...
Ah bah tiens. Voilà. Il suffit juste que je tourne la caméra. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Toujours les petits freezes. Hein. C'est un peu chiant. Hein. Ces petits freezes. C'est Mister Freeze. Bon, tant que le jour je tourne, avec ça toi, va. Avec toi, mon pote, c'est Noël tous les jours. Et c'est... Ah, la vieille Jaguar MK2. Ah ouais, c'est une Jaguar. Une MK2, si je dis pas de bêtises. Moteur 3 litres, 5, peinture. Elle était dans GT... Non, pas dans GT Légende, notre jeu, la Rally Trophy, c'est voilà. Jaguar, c'est juste elle était bien classe. En rally, celle-là. Et je crois qu'on peut la mettre en police aussi. Il y a les kits de carrosserie, enfin pas les kits de carrosserie, mais les modifications de carrosserie. On peut rajouter un gyrophare, ça peut être marrant. Peut-être faire un vinyle de flic dessus. Voilà, puis on va faire cette grange-ci et on arrêtera là pour cet épisode qui commence à être un peu long. Hop, mettre un point là. Voilà. Traverser la route, le chemin de terre que je n'ai pas découvert. Demi-tour, bon, on va rester bientôt 88. À 200 mètres, tournez à gauche. Et c'est que des chemins de terre qui me manquent, hein, je crois. À moins peut-être deux ou trois chemins de, enfin, de bitume. À 200 mètres, tournez à droite. Qui sont un peu. Tournez à droite. Un peu cachés. Sinon, c'est que des chemins de terre. Putain, un rocher de merde. Petite Sierra devant, là. Non, l'escorte. L'escorte, ça. Vous avez atteint votre destination. Hop. Je vois que aussi j'ai un truc de. Un point de. Comment ça s'appelle ? De découverte. XP ici. C'est bien, c'est que des fois. Encore un niveau. Le wheel spin. La marraine et l'héros, elle me fait bien envie aussi. Ah bah, nickel. 575 marraine et l'héros. Hop. C'était fait ça que j'achèterais pas. Les Ferrari, j'en ai pas mal. J'en ai gagné pas mal en speed. De toute façon, j'en ai acheté aucune, je crois, de Ferrari. Et j'en aurai déjà au moins 5 ou 6. Hop. Ça c'est un point pittoresque à découvrir. Voici les monts Glass House. Et ça fait 3000 XP. Les indigènes de la région disent qu'ils forment une famille, mais ils ne s'entendent pas. C'est pour ça qu'ils sont tous tournés dans des directions opposées. Génial, hein ? Ouais, c'est génial, surtout qu'on peut pas y accéder. Donc la zone, alors... Donc on va essayer de... Hop, foutre un point ici. Même si j'aurais de... Ou à quoi que je vais faire tout le chemin et puis revenir. Dès que possible. Oula, oula, oula. Calmos, calmos. À 200 mètres, tournez à droite. Quand... Là, on arrive dans la partie assez touffue. Si je peux dire. Là où il y a pas mal de... d'arbres. La partie tropicale de l'île, on va dire. De l'Australie. Récupérer ton gros 4x4 Lamborghini. Ah, ah. Un petit 4x4. Hop, voilà, je fais juste tout le chemin, histoire de débloquer. De découvrir, voilà. Hop, nickel. Allez, je fais demi-tour, à moins qu'il y ait un autre chemin. Et on va se focaliser sur la grange et on arrêtera là. Je pense que je vais faire des petites coupures au moment où ça lagouille un peu, où ça frise. Alors, la grange, où est-ce qu'elle peut bien être ? J'allais pas là. Là on a le bâtiment, je regarde autour s'il n'y a pas des panneaux, XP des fois, non, non, non,
effectivement. Voilà, là on a l'intersection, le chemin. Je regarde. Hein. Ah, pas de loup. Est-ce qu'il serait pas au niveau du chemin? Au niveau du chemin de terre, là, non? Oh, ça a l'air d'être une ferme. Eh hey, mon pote! Ton buggy meilleur survitaminé t'attend. Hop, je vais voir. Non. On va faire le tour, hein. On va s'enfoncer dans la forêt. Ah bah tiens. C'est pas ça. Nickel. Bon. Et bah c'est sur ce petit freeze qu'on va se quitter. Allez, juste après qu'il ait ouvert le garage. Oh. Un Ford, ça. Ne me dis pas un vieux Ford. Woody. Woody. Si, c'est bien une Ford Woody. Que du bois. C'est une pièce de collection inestimable. C'est comme si tu trouvais un Rembrandt dans ton garage. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Ça m'intéresse pas trop ce genre de véhicule, mais bon. Je vais la ramener. Pourquoi au garage, pas faire un peu de surf et tout. Pourquoi ça. Pas Varenne. Je te préviens dès que tu pourras la récupérer. Bah, en plus je gagne un petit whispin. Et une petite MX5, nickel, de 2015, je sais plus. Et bah c'est nickel, moi je vous dis à la prochaine, c'était Diablo, salut!